الله أكبر الله أكبر. Ah, si vous le connaissiez. وإنك لعلى خلق عظيم. Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Je suis moi-même musulman unitaire et je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages, les instruits du pays et établir un régime uniforme, fondé sur les principes du Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Mohammed était un grand homme. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed. Salla alayhi wa sallama. Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseigna et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect. Mohammed, l'un des grands messagers de l'être suprême, même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce grand maître arabe. Le monde a un besoin indispensable de quelqu'un qui pense comme Mohammed. Et si quelqu'un comme lui était amené à diriger le monde aujourd'hui, il réussirait à résoudre tous les problèmes et à amener la paix et le bonheur. Les paroles de Mohammed sont un trésor de sagesse, pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité entière. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Ah, si vous le connaissiez, très certainement vous l'aimeriez. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن